De toute façon, moi, je crois pas tes pensées au football. Moi, c'est Zidane ce qu'il a dit. Le football est simple, le plus dur, c'est le compliqué. Allez, bonjour à tous et bienvenue sur... J'ai voulu faire une Cyril Hanouna parce qu'il m'a dit que... il m'a dit que j'étais Cyril Hanouna. T'as remarqué aujourd'hui les... Je suis chaud. Non, parce que j'étais avec toi cet après-midi. Qu'est-ce qu'il a? Il prend la confiance maintenant. Tu vois comment il prend la confiance. C'est la célébrité tout ça. Lui, attends, je me dis. Non, mais voilà. Donc on est reparti sur la deuxième partie en compagnie de Adriano. Adriano, Tancredi. C'est ça. C'est belge, c'est 100% belge. Non, mon père est italien. Ah, italien, d'accord. Moitié. D'accord, un peu comme moi, quoi. Moi, je suis italien, brésilien. Ouais, voilà, c'est ça. Italien d'homme et brésilien des pieds. Italien d'Aubervilliers. Je sais pas si tu connais Aubervilliers. Italien d'Aubervilliers. Italien tandoori. Donc, on n'oublie pas ce livre qui est sorti. Il y a combien de temps qu'il est sorti ton... Septembre 2021. Donc, ici en 2021. Et ça, t'es fier d'avoir sorti ce livre? Ouais, je suis fier. C'est un travail de beaucoup de temps. Le Covid m'a aidé. C'est vrai, ça. C'est combien de temps t'as mis pour écrire ce livre? Alors, je suis pas le seul à travailler parce que, donc, comme j'ai fait de l'auto-édition, j'ai pas trouvé d'éditeur et c'est la première fois que je faisais ça. Ça a été corrigé par d'autres personnes. Donc, ma copine a corrigé, sa sœur et la copine de mon frère. On a toujours notre copine qui corrige les fautes d'orthographe. Et du coup, il y a eu 3 passages pour corriger et il y a même eu des premiers achats via, parce que je le fais via Amazon, pour moi voir si ça allait, si ça allait pas. Donc, officiellement septembre, mais je l'ai commencé juste avant le confinement, janvier 2019. Et t'en es fier de ton livre? Ouais, franchement, j'en suis assez fier. Et j'ai voulu stopper à un moment donné parce que j'aurais peut-être pu continuer pendant 10 ans en rajoutant à chaque fois des trucs, mais je me suis dit, voilà, là je m'arrête. J'ai tout ce qu'il faut, je pense. Enfin, j'ai mis tout ce qu'il faut en tout cas. Et ouais, forcément, je suis assez fier de ce que j'ai fait. Quoi. Pour commencer cette deuxième partie, j'aimerais que chaque personne autour de la table cite une citation. Parce que tu fais beaucoup de citations dans ton livre. À chaque chapitre, tu mets une citation. Il y en a que je connaissais, il y en a que je connaissais pas, et c'est hyper intéressant. Donc, chacun va nous donner une citation qui l'a marqué, ou il y a une citation qui n'arrête pas de penser. Donc, est-ce que vous voulez que je vous donne la mienne d'abord ou pas? Vas-y. Et ne pique pas la mienne que j'ai notée. Hein. Non, tu vois comment il est? Rien à voir à ce qu'il a écrit. De toute façon, moi, je ne crois pas tes pensées au football. Moi, c'est Zidane ce qu'il a dit. Le football est simple, le plus dur, c'est le compliqué. Enfin, le compliqué, Zidane, quand il a dit, le football, il est simple. Ouais. Mais c'est quoi le dur dans le football? C'est compliquer les choses. Il l'a dit comme ça, Zizou, il l'a dit comme ça. Non, ton cousin. Okay. Yacine. Ça m'a marqué, ça, par contre. Une citation qui te vient à l'esprit, qui t'a marqué, une qui t'a Bielsa. Marqué. Bielsa, je sais pas. Évidemment. Jamais, t'as vu? Je l'ai pas lu. J'ai amené au foot, mais pour moi, ça, c'est en rapport avec la vie aussi. C'est... Tu vois bien ça, quand il mène au score, il va te dire pourquoi je devrais faire autre chose pour conserver un score que ce que j'ai fait pour l'acquérir. En fait, pour moi, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que pourquoi dans ce que je fais, je devrais revenir sur mes convictions pour, voilà. C'est une question de conviction. T'as joué l'attaque pour mener 3-1, pourquoi d'un coup à 3-1, tu vas te dire vas-y, 8 défenseurs et on joue contre. Voilà, ça continue comme t'es. Voilà. Petit clin d'œil à Didier Deschamps, je suppose. On en a l'air préféré. Ça m'étonne parce que je pensais qu'il allait me sortir une citation de Rudy Garcia, parce qu'il aime bien. Farid, Toto. Guardiola. Moi, je la connais pas par cœur. Non, pas Guardiola. Moi, j'ai pris une citation, je l'ai pris en photo parce que je la connais pas par cœur. T'as pu l'apprendre avant de venir. Jean-Claude Thiodot. Zéro. Et Jean-Claude Thiodot, moi, j'aime beaucoup déjà parce que... Jean-Claude Ouais, Coco Thiodot, Jean-Claude Thiodot, qui était l'entraîneur du FC Nantes pendant pas mal de temps, et j'aime beaucoup cet entraîneur parce que il fait partie de ces entraîneurs qui continuent à être des formateurs même à haut niveau. C'est-à-dire que très souvent les entraîneurs arrêtent un petit peu d'être formateurs et c'est simplement des entraîneurs, des coachs qui arrivent à faire accepter des principes de jeu et une mentalité. Voilà. Et lui continue à faire apprendre des choses à ses joueurs, et c'est ça que je trouve intéressant. C'est pour ça que j'ai pris une de ses citations. Il dit « Ici, tu ne viens pas à l'entraînement pour taper 50 ballons, mais d'abord pour comprendre le jeu de l'autre, pour devancer ses intentions. Jouer ensemble, c'est apprendre à se connaître et à se comprendre. » C'est gentil. Ouais, donc en fait, c'est la mise en cohérence commune de l'état d'esprit d'un groupe, et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup Jean-Claude Thiodot. Moi j'ai mis « Les footballeurs qui jouent dans la rue sont plus importants que les entraîneurs diplômés ». C'est qui écrit ça? Je sais pas. J'ai marqué YC, je sais pas qui c'est. Je sais pas. Bien sûr. Pour toi, ce serait laquelle la... Je l'ai plus par cœur exactement, mais je dirais un joueur touche 3-4% la balle,
Je vais t'apprendre à quoi faire des 96% autres. C'est Crive, ouais, c'est voilà. C'est, voilà, c'est, je crois que d'accord, c'est des 90 non, c'est ça. Okay. Voilà, bah, c'est, voilà. Non, mais c'est parce qu'on a toujours des citations. Bon, c'est un peu la mode, des fois on met des citations ouais. Voilà. Avec une belle petite photo sur Facebook. Ouais, ça donne toujours bien. Donc, tu fais souvent un bilal ou pas des... non. Non. Moi, je copie sur toi, j'en ai fait une autre jour. Après, quand une citation existe, ça sert à rien d'essayer d'en inventer une. C'est vrai, c'est ça. Exactement. Exactement. Donc on va venir sur la préparation physique. Mmh. Tu parles de la préparation physique dans ton livre. Tu parles de Paco Cerullo. Je dis bien. Oui, je vous sens espagnol. En gros, c'est, voilà. Moi, je prononce pas peut-être pas. Qui pas nous bien, dit en gros que l'échauffement est seulement un acte socio-émotionnel. C'est ça. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer en gros ce que. Ouais. Alors par rapport à ce que donc je le paraphrase, hein, c'est forcément c'est pas moi qui ai découvert ça. C'est lui. Il dit que un joueur ne se blessera jamais à cause d'un mauvais échauffement. Il va se blesser parce que. Sur entraînement, il va se blesser parce que peut-être mauvaise hygiène de vie, pardon. Mais à cause d'un mauvais échauffement, c'est rare qu'un joueur va se blesser. Par contre, il peut mal jouer ou ce genre de choses. Et lui voit l'échauffement comme, voilà, vraiment le côté socio-économique, donc le côté social, ouais. Ouais, voilà, émotionnel. Et le fait de se mettre dans la tête qu'on va faire le match, par exemple, ou l'entraînement. Il y a aussi forcément le côté performance où échauffer le muscle, ça permet aux muscles de oui. faire de meilleures performances. Mmh. Mais effectivement, je me souviens pas, j'ai pas de chiffres, j'ai pas, et je me trompe peut-être, d'un joueur qui se serait blessé à cause d'un mauvais échauffement. Par contre, un joueur qui se blesse, parce qu'effectivement, des fois, ils font je sais pas combien de matchs sur le mois ou ce genre de choses, ou les Parisiens sont forts là-dedans, un joueur qui aime bien sortir ou quoi, voilà, là, ils vont se blesser. Enfin, je dis, pardon, Verratti ou voilà, ça. Mmh. Mais voilà, je suis plus ou moins d'accord là-dessus. Ça veut pas dire qu'il faut pas s'échauffer. Forcément, mais le but de l'échauffement n'est pas. Le but premier de l'échauffement n'est pas d'éviter la blessure, en tout cas. D'accord. Vous êtes d'accord avec ça ou pas, Yacine ? D'accord ? Je vais te raconter une anecdote. Le Bayern de Munich, dans les années 90, les mecs qui rentraient sur le terrain, ils mettaient des mines dans le but. Direct. Non, mais c'est vrai. À froid. Sauf qu'en fait, c'est une tradition. Et en fait, ils le font depuis tout jeune. Donc en fait, ton corps, il est préparé à ça. Donc en fait, c'est d'accord. Pas une question. Ah, d'accord. Ok. Voilà. C'est-à-dire que tu peux mettre une frappe à froid, ça veut pas dire que tu vas te claquer. Mais nous, notre corps, il n'est jamais préparé parce que ça fait 15 ans qu'on nous explique qu'avant de toucher le ballon, il faut aller faire des tours de terrain, d'échauffement. Bah oui. Et... Donc, si tu mets une frappe à froid, toi, tu vas te claquer. Mais le mec, il le fait depuis 10 ans. En fait, c'est une question. Ton corps, c'est un ordinateur. Hein. D'accord, ouais. Donc, il s'habitue toujours à tout ce que tu vas lui donner. Donc, voilà, c'est une anecdote pour expliquer effectivement que l'échauffement, c'est, on l'a sacralisé. Et en vérité, c'est pas, enfin, il a une importance beaucoup moindre. Enfin, moindre. Que ce qu'on veut bien en dire. Voilà. Mais après, maintenant, l'échauffement, quand on parle d'échauffement, maintenant, on met directement le jeu, ça s'est quand même un peu modernisé. Enfin, par ouais, rapport à avant, vous, avant, on mettait directement on mettait l'échauffement, c'était sans ballon, de colonne. Moi, je vois encore de colonne. Ah ouais, 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 ah, mais je parle sur les formations Fédé, par exemple, puis directement, ils ont mis l'échauffement, c'est un jeu directement. Par exemple, ils mettent plus. Ouais, non, je le vois encore aussi. On le voit, mais c'est vrai que parce que non, mais quand on l'apprend, on fait les formations, on n'apprend pas à mettre de colonne. Non, on l'apprend pas, mais je le vois même en élite. Donc, des fois, je regarde, voilà. Et nous, notre équipe, c'est donc les promotions, ils ont joué le. Donc, Huon, là c'était Huon, c'était pas notre équipe, c'était une autre. Il a fait faire des abdos à l'échauffement à ses joueurs. C'est la même blague, hein. Des abdos, donc déjà, faut pas faire d'abdos. Enfin voilà, mais ça c'est autre chose. L'échauffement de match fait faire des abdos à tes joueurs. Après, moi, c'est des enfants de 10 ans. Je connais pas, mais les matchs là, on voit, même les pros, à la mi-temps, ils refont encore quelques exercices d'échauffement. On va faire des trucs de tonicité, ouais, vivacité. Ouais. Oui, donc, c'est donc maintenant. C'est, ouais, c'est différent. Après, peut-être, voilà, peut-être c'est différent, c'est pas la même chose, hein. Mais voilà, c'est une sorte de rentrée dans le match. C'est intéressant, ça veut dire qu'en fait, on je sais pas comment on va expliquer ça. C'est-à-dire que depuis toujours, en fait, on t'inculque un truc, et vu qu'on te l'inculque dans ta tête, bah, en fait, en gros, ça fait que en fait, tu t'habitues. Donc, en fait, tout ce qui est ton corps, tes muscles et tout, s'habitue à ça. Donc, on croit que c'est important et que c'est limite bénéfique pour. Alors que si, comme toi, tu as dit au niveau du Bayern, si depuis tout petit, depuis que je suis ici, j'aurais frappé dans les buts, machin, à chaque fois. Bah, c'est pas pour autant que je me serais claqué parce que mon corps, mes muscles, ils auront enregistré. Et dans la manière de jouer aussi, c'est qu'on va s'habituer à un truc. Par exemple, quelqu'un va s'habituer à faire ça, l'échauffement, parce que tout petit, c'est ce que vous avez dit, fait ça. Si un jour on va le changer, bah, il va se dire, ah, si je fais pas ça, ça ira pas. Même dans sa tête, il va se dire, ça ira pas. Alors que son corps, ça va. Donc un coach qui nous regarde là, on va lui dire qu'il continue ses échauffements ou qu'il. Non, il faut faire des échauffements. De toute manière, il y a des bonnes raisons. Parce qu'il y en a, ils vont se dire, ah, bah, je suis plus. Non, mais c'est pour ça que je dis, l'échauffement est important. Mais comme Yacine a très bien dit, on a mis bien trop d'importance et en plus sur la mauvaise importance de l'échauffement. C'est pas pour éviter les blessures. C'est pour autre chose. Juste ça. Mais parce que, bien entendu, je crois, Yacine, ou je sais pas,
on a fait un terme de match merdique parce qu'on a l'échauffement, on n'était pas dedans. Oui, ça c'est l'excuse bidon. Quoi. Après, voilà, non, mais pas, non, pas dedans, c'est possible. J'ai entendu aussi, déjà. C'est pas concentré. J'ai entendu déjà. Oui, voilà. Voilà, l'entame du match, on était zéro parce que les gars, à l'échauffement, on n'était pas. C'était la Tunisie, ça. Non, non, même ici, je jouais ici. Hein. Non, la Tunisie aussi. On a parlé de l'humain tout à l'heure. Mais en fait, le truc, c'est que, encore une fois, parce qu'on a un problème au foot. Tu vois, par exemple, au basket, les joueurs, ils font chacun leur échauffement. Tout seul. Bah oui, parce qu'en fait, ils gèrent leur truc comme ils l'entendent. Au foot, on considère que tu vas t'échauffer à 11. Mais ça change un peu maintenant. Ouais, doucement, mais. Je vais t'expliquer. Pourquoi les attaquants vont vers les buts. Oui, d'accord. Latéraux. Mais il y a une globalité. Mais, tu vois, par exemple, moi, j'ai besoin d'aller faire des jongles pour me mettre dedans. L'autre, il a besoin d'aller trottiner. L'autre, il a besoin de faire des exercices à deux. Mais en fait, chacun est différent. Ouais. Donc en fait, on devrait pas globaliser. On considère que, tiens, les 5 dernières minutes, tout le monde vitesse. Mais moi, j'ai pas besoin de la vitesse. C'est comme l'histoire de dire, tu vois, les coachs, par exemple, à un moment donné, quand ils rentrent dans le vestiaire, ils disent, bon, les gars, allez, maintenant, ça y est, on est dedans. Mais moi, si j'ai envie de monter sur la table et de sauter sur la table, parce que c'est ma façon à moi d'entamer mon match, pourquoi tu vas me l'interdire? Je te l'interdis parce qu'en fait, globalement, on considère que la concentration, c'est tous ensemble. Maintenant, on devient sérieux. Mais moi, j'ai pas envie d'être sérieux. Surtout sur le pilier central qui est entraîneur, c'est son cerveau limite qui veut que. Non, mais bien, oui, c'est pour se rassurer lui. Ouais, c'est ça. Mais en fait, on devrait individualiser. C'est-à-dire que toi, si toi, t'as besoin d'écouter de la musique et que lui et moi, on a besoin de rigoler, mais laisse-nous tranquille. Moi, ce qui t'intéresse, toi, c'est que je sois performant quand je vais rentrer sur le terrain. Donc, si nous, on rigole, eh ben, on rigole. Toi, tu mets ta musique. L'autre, il fait ce qu'il veut. Il parle. Et voilà. L'autre, il se met dans son coin et il fait rien. Il est. Voilà. Chacun a son truc. Et en fait, dans le foot, le problème, c'est que. On globalise tout, comme la préparation physique, comme l'échauffement, comme la préparation d'avant-match, la concentration. Voilà, et ça, c'est un problème. Il y a des gamins, si tu lui mets la pression, si tu lui dis, bon, maintenant, vous taisez, vous écoutez ce que j'ai à vous dire 2 minutes, ça se trouve, tu es en train de le tuer. Par contre, si tu dis, bon, allez, mettez la musique 2 minutes avant qu'on rentre sur le terrain, ça se trouve qu'il y en a 3 ou 4, ils vont arriver, ils vont voler sur le terrain. Parce que tu vas Il faudrait tester. Là, il n'y a pas à tester. Je pense que chacun. Mais est-ce que si tu le guides vers autre chose, est-ce qu'il peut peut-être se rendre compte que ce que. Parce qu'imaginons, on va prendre un cas qui est un jeune qui veut écouter la musique. D'accord. Mais si toi, tu ne l'as pas peut-être conseillé autre chose, ou peut-être fait découvrir autre chose, peut-être qu'il va peut-être se rendre compte qu'en fait, peut-être que si je me mets peut-être dans un. Discuter de plus avec mes copains, ou plus oui, échanger, après, que je serais peut-être dans un meilleur. Après, c'est en fait dans ce qu'il va faire de différent. Un jour, il va se dire, tiens, j'étais mieux dans ce match-là parce que j'ai écouté voilà, la musique. D'accord. Donc il va peut-être essayer. Ouais, après aussi, il ne faut pas non plus. Que ça devienne un rituel, c'est-à-dire que le jour où il oublie sa musique, il peut pas jouer. Non, mais tu rigoles. Il y a beaucoup de joueurs comme ça. Bien sûr, tu rigoles, de coach. C'est ça. C'est-à-dire que le mec, il te dit moi, j'ai l'habitude de faire ça. T'arrives, il n'a pas sa gourde, il n'a pas la musique. Il se dit ça y est, c'est la fin du monde. Limite, c'est pas à peine de le faire jouer. Voilà, donc c'est. En fait, il faut, je pense encore une fois, s'adapter, mais désacraliser. C'est-à-dire que c'est pas un moment hors du temps, ni la concentration, ni l'échauffement. C'est un moment qui se vit. Et tu vois, par exemple, ça se trouve, il y a des matchs où tu vas avoir besoin de calme avant un match, ça va marcher. Et il y a un match où même tu as besoin que tous les joueurs ils se parlent, c'est un peu le bordel. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Voilà, il y a des moments, la vie, c'est pas tout le temps linéaire. Quoi. C'est pour ça que des joueurs ont percé. Excuse-moi. Des joueurs ont percé pendant le Covid où il n'y a plus de supporters. Qu'après tu les entends plus, ou inversement, et des joueurs t'entendaient plus, et que maintenant tu les entends. Enfin voilà, comme tu as dit, c'est exactement ça. Moi je suis assez d'accord sur le fait de pas standardiser voilà, la façon de voir, parce qu'on peut aller même dans les entraînements où on standardise, on entraîne un défenseur de la même façon qu'un attaquant, ainsi de suite. Mais justement, cette standardisation, elle peut être utile sur d'autres choses, c'est-à-dire la connaissance du fonctionnement d'un gamin. C'est-à-dire que si par exemple, si je te demande un gamin. Généralement, à l'adolescence, est-ce qu'il est en pleine forme ou est-ce qu'il est fatigué? Eh bien, instinctivement, on va dire, ben non, un gamin, ça pète le feu. Non. Un adolescent, par essence, est fatigué parce que son corps est en mutation. Donc, il lui pompe beaucoup d'énergie. Donc, tu vois, il y a la croissance qui rentre en jeu. Et ça, il y en a qui justement, vont standardiser sur des choses inutiles et qui ne vont pas comprendre que, d'un point de vue global... Un adolescent va avoir beaucoup de fatigue, donc ça va générer du surentraînement. J'ai déjà vu des séances d'échauffement d'avant match qui pendant une demi-heure il y avait de l'intensité et quand tu essaies de comprendre, ouais mais c'est parce que justement on veut être tout de suite dans le match. Ah non mais là tu les as cramés les gamins. Là, tes gamins ils sont morts. Ils vont être tout de suite dans ton premier quart d'heure. C'est sûr il est bon. Ton premier quart d'heure il va être super super bon. Faudra voir la deuxième mi-temps, par contre, tu vois. Non, mais je vois. Mais tu vois, pour revenir, quand on définissait le formateur avec différence d'éducateur,
Ouais, tu vois, tous les sujets qu'on est en train de discuter, de parler, d'échanger, ben, pour moi, tu vois, c'est là qu'on voit la différence. C'est qu'un formateur, il va chercher plus loin. T'es, il réfléchit à beaucoup de situations, il essaye. C'est pas la même chose. Ouais, ce qu'on est en train d'échanger, pour moi, on n'apprend pas ça dans notre parcours où on passe nos diplômes, en fait. Bah, dans 15, il faut faire les formations à côté. Bah, c'est ça. C'est limite les formations à côté qui t'apprennent beaucoup, même ce genre, cette discipline. C'est pour ça que je m'étais... C'est pour ça que j'attendais de... Voilà, exactement, curieux. Comme, j'attendais un petit peu pour le dire, c'est que là, on parle de sujet. Bah, tu vas dans ton club, aujourd'hui, tu ne parles pas de ces sujets-là. Tu vois, je veux dire, au passé, on parle de, en gros, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Bah, j'ai fait de la vitesse, oui, j'ai voilà, fait ouais. Une conservation à deux équipes ou trois équipes. C'est tout, on n'a pas cherché à parler. Par exemple, un truc tout bête, ce week-end, j'ai envoyé un message dans le groupe à tout le monde. J'étais sur la préparation mentale, sur on va en revenir en plus à la préparation mentale, t'en parles juste après. J'expliquais comment on peut juger, toi tu m'as répondu, comment on peut juger un joueur, comment je peux bien définir un joueur mentalement. Et comme ça, ça me permet aussi après de pouvoir le faire évoluer, le développer. Parce que peut-être que voilà, des fois, je pense qu'il peut. J'ai jugé peut-être correctement, mais peut-être que j'ai jugé mal. Donc j'ai essayé de trouver une ligne de lecture, une grille qui me fait que je peux comprendre comment il est. Mais tu vois, c'est là qu'en fait je veux revenir, c'est que la formation pour moi c'est un degré beaucoup plus haut, beaucoup plus poussé et beaucoup plus réfléchi. C'est juste pour faire comprendre. Moi je me permets, James, mais justement, je pense que voilà, si tu es éducateur, si tu veux être un bon éducateur, tu dois t'intéresser au sujet sur lequel tu agis. Et moi je milite justement sur la littérature du foot. On a une littérature très étoffée sur beaucoup de sujets. Si on veut trouver des biographies, on en trouve. Si on veut trouver des choses techniques, on en trouve. Si, voilà, moi, j'ai lu une fois un livre, c'était... je ne sais plus si c'est Arnaud Le Gall ou... Enfin, c'était le médecin de l'équipe de France, il est passé au LOSC, ainsi de suite, qui parle de l'évolution de l'enfant et le football, qui, avec des selon les caractéristiques qu'il a, selon la croissance, ainsi de suite. Donc, je pense qu'un éducateur, il doit être curieux. Voilà. C'est ça, hein. Il doit être curieux, il doit aller. Et il y a des éléments pour pouvoir, au-delà de sa formation qu'il reçoit pour son diplôme, il y a des choses qui existent qui peuvent lui donner un regard peut-être différent. Peut-être qu'il va se dire si j'ai eu 13, il faut que j'arrête de forcer là-dessus ou que je mette l'accent là-dessus, et ainsi de suite. Même plus loin sur la littérature, tu peux t'intéresser aussi à d'autres sports. Mais c'est ça. Ouais, exactement. C'est ça. Et c'est ce que tu m'avais dit la première fois que je t'ai rencontré. Tu as dit, je regardais le même Guardiola, il regardait le volet, il regardait le hand, tout ouais, ça. Ouais, c'était hyper intéressant. Je me rappelle comment il a dit ça. Après, je disais quel livre, machin. Pour rester rapidement, 2-3 minutes, tu parles des étirements. À partir de quel âge, pour ceux qui nous regardent, on doit vraiment utiliser les étirements? Pour moi, c'est compliqué parce qu'il y a plein d'étirements différents. Ouais. L'étirement postural, donc l'étirement qui va améliorer, on va dire, la souplesse, voilà, qui dure 3-10 minutes et voilà, peut être à n'importe quel âge pour moi, voilà. Mais l'étirement, l'échauffement, pour moi, n'est pas nécessaire du tout. On peut le mettre et pour moi, c'est l'étirement balistique le plus important, donc celui qui met un mouvement à la jambe, donc faire un mouvement de balancier à la jambe pour travailler étirer les différents muscles. Mais si pas l'étirement, c'est aussi quelque chose... Alors, c'est très difficile parce que l'étirement, on va lire un article ou un livre qui va dire ça, on va lire un article ou livre qui va dire le contraire. Tel médecin avec tel diplôme va dire non, moi j'ai raison, et tel médecin avec tel diplôme va dire non, lui il a tort, j'ai raison. Donc l'étirement, en fait, c'est un peu, tu le fais comme tu veux et comme tu vois que ça va, et c'est peut-être aussi en lien avec ce qui a été dit, c'est par rapport à ce que le joueur ressent aussi. Si le joueur veut faire un étirement de 10 secondes pour chaque muscle avant, c'est pas l'idéal, mais si c'est grâce à ça qu'il va faire un bon match, autant qu'il le fasse, quoi. Voilà, c'est ça. Yacine, en gros, l'étirement, on le fait à partir du moment où on a des muscles, non? C'est ça? Non. Ouais, normalement, après, quand tu t'étires, tu n'étires pas que les muscles malgré tout. Hein, t'as plein d'autres choses au niveau musculaire, tendineux, etc. Donc, non, mais moi, je pense surtout qu'il faut arrêter d'avoir, encore une fois, des certitudes. Parce que, on va reprendre sur les 20 dernières années, on te disait qu'il faut t'étirer avant un match. Finalement, 10 ans après, on te dit qu'il ne faut plus t'étirer avant un match. On disait les étirements activo-dynamiques, etc. On te disait il y a 20 ans, quand tu as fait du sport, tu rentres chez toi et tu t'étires. Maintenant, on te dit qu'il ne faut pas t'étirer après un effort parce que tes muscles sont un peu... Tu as des micro-lésions. Voilà, les micro-lésions, donc tu vas les écarter. Donc en fait, tu récupères un peu et tu t'étires par exemple le soir. Si tu as fait du sport le matin, t'étires le soir devant la télé. Donc tu vois, à froid. Alors qu'avant, on t'aurait dit un étirement. Donc, en fait, le truc, c'est toujours d'essayer de te renseigner sur ce qu'il y a, ce qui va, les évolutions, parce que finalement, chaque chose change tous les 5, 6 ans, 7 ans. Il y a un mec qui fait une nouvelle étude et il dit « Ouais, on arrête ça, on fait plus ça, on fait ça. Les étirements, c'est fini. La vitesse avant le match, c'est pas bon. La vitesse avant le match, c'est bon, tu vois ?» Et on peut tout reprendre. Il y a 10 ans, j'en parlais dans mon livre, mais je pense que c'est partout pareil. Il y a 10 ans, parce que j'ai vu que tu en parlais aussi dans ton livre, analytique, 10 ans après on te dit c'est le jeu.
En fait, à quel moment vous vous dites on peut faire les deux, on peut faire, quelle est la vérité? Pourquoi d'un coup, on faisait de l'analytique, ça marchait? Et d'un coup, on ne fait plus d'analytique, il ne faut plus le voir, c'est que du jeu. Tu vois? Donc en fait, c'est à toi aussi, à un moment donné, comme l'a dit Farid sur les lectures, etc., de te renseigner, de voir que, qu'est-ce qui correspond aussi à ce que toi, tu as envie de mettre en place. Qu'est-ce que tu sens qui t'apporte quelque chose? Est-ce que l'analytique, prendre un gamin et lui dire 5 minutes, frapper contre le mur, est-ce que tu trouves que ça sert? Mais il y en a qui vont te dire non, et moi, je vais te dire oui. Moi, je vais te dire qu'en tant qu'échauffement, par exemple, prendre un gamin qui se renvoie le ballon tout seul, il faut doser le ballon, il faut qu'il soit bien donné, bah moi, je te dis que ça sert. Voilà. On n'a pas le même avis, tu n'es pas obligé de le faire. C'est pareil, il y a 15 ans, on disait footing, t'es long, machin, les oui, étapes, ouais. Voilà, la pyramide. Mais en fait, maintenant, on te dit non, pas forcément, ça peut être l'inverse, ça peut être du ballon tout de suite, ça peut, tu peux mettre de l'intensité très rapidement dans tes séances, tu vois. Donc en fait, encore une fois, c'est aussi les études, hein, parce que malgré tout, on avance dans la science, donc c'est logique, mais il ne faut pas avoir de certitude, voilà, il faut te dire, ok, il faut que je me renseigne, il y a des évolutions, voilà. Pour les étirements, il y a un truc, c'est les étirements activodynamiques. Oui, et si on peut s'en rendre compte, alors c'est, moi je le savais parce que je t'ai renseigné avant, mais c'est vrai qu'on voit que les étirements activodynamiques, on parle tout le temps d'étirements activodynamiques, c'est-à-dire qu'on étire et après on met en mouvement. Oui, c'est ça. Mais en fait, ils oublient tout le temps de la contraction. Oui. Et oui, les trois secondes de contraction. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est bien aussi de lire son livre. Parce qu'il y a plein de choses qu'on est en train de faire, nous, et en fait, on se rend compte qu'en fait, on est à l'opposé. Moi, j'ai rarement vu, je sais pas si toi, ça se passe en Belgique aussi comme ça, des étirements activodynamiques sont bien faits. Non, même s'il n'est jamais utilisé, donc il est même pas mal fait, vu qu'il n'est pas utilisé, en fait, c'est des trucs... Oui, voilà, c'est ça. Ah, il n'est pas utilisé? Mais je ne l'ai jamais vu, en tout cas. Ah, ok, d'accord. Moi, je l'ai utilisé avec mes équipes, mais je ne l'ai jamais vu contre... Avant, c'était en amateur où j'avais des plus âgés. Ici, c'est des plus petits, donc il n'y a jamais d'étirement. Mais je ne l'ai jamais vu, moi, être utilisé, en tout cas. Alors, tu parles de plein de choses dans la préparation physique dans ton livre, mais on va essayer de rester attentif sur certains trucs, voilà, certaines choses qu'on est habitué à voir. D'accord. C'est sur le travail d'intervalle. Oui. Voilà, le travail d'intervalle. Penses-tu que c'est mieux de l'intégrer à du jeu ou non, pour toi? Alors, ou moi, mieux de le faire Toujours, oui. Mais comme Yacine a dit, encore une fois, ça peut changer par rapport aux joueurs qui préféraient faire telle chose ou tel coach qui est plus à l'aise avec telle chose. Mais pour moi, il faut mettre du jeu tout le temps, tout simplement, parce que c'est du jeu, donc c'est plus amusant. Que courir 15-15 d'un plot à l'autre, on apprend à courir d'un plot à l'autre. Tandis que mettre de l'intervalle, que ça soit 15-15, que ça soit une minute 30 secondes, enfin, soit peu importe. Donc là, je parle temps d'effort, temps repos. Avec le jeu, là, on est dans le football, donc on travaille la condition physique en faisant en même temps le football, quoi. D'accord. Mais tu sais pourquoi tu fais des 15-15? Bah oui, c'est pour ça. Voilà, généralement, c'est parce que c'est ce que tu reproduis le plus en match. C'est des courtes distances. Non, c'est parce que c'est juste pour quantifier et être sûr que tes gamins, ils ont couru. Ah, et qu'ils sont d'accord, ok. Bah, bien sûr. Et sinon, en fait, tu le fais avec le ballon. Et je rappelle juste une chose. Moi, je fais souvent avec le ballon. Le problème du football, c'est pas, encore une fois, l'activité cardiaque. Parce qu'en fait, tu sais que tu cours... tu sprints 10%, tu marches 50% du match. Tu sais que la vraie contrainte, c'est le ballon. Bah oui, c'est vrai. En fait, si tu enlèves le ballon, tu as enlevé une contrainte qui est hyper importante dans le développement, enfin dans la qualité athlétique du joueur. Si tu enlèves le ballon, en fait, tu fais plus du footballeur. Enfin, tu prépares pas le footballeur à voilà. Sinon, ce serait simple. On finirait à 17 ans, on irait chercher les mecs qui ont fait les 10 000 mètres. C'est vrai. On leur donnera un ballon et ils seraient prêts. C'est vrai. Donc, la contrainte, c'est le ballon. Le gainage. Est-ce que tu peux expliquer à nous pourquoi le gainage est ainsi important? Le gainage est important parce qu'il est toujours actif. On est gainé toujours. Mais j'ai dit d'ailleurs le gainage actif, c'est-à-dire qu'on fait souvent, par habitude encore une fois, du gainage planche. Voilà, on se met 30 secondes de repos, et j'ai fait l'erreur, hein, encore une fois. J'ai fait 3 ans de préparation physique, comme j'ai dit, et tout ce que j'ai fait là, je le contredis dans le livre, par exemple. Oui, parce que je me trompais, voilà. Et du gainage statique, ça sert à rien, parce qu'à part s'habituer à être en planche, on ne le fait pas. Tandis qu'au football, ben oui, un duel au football, ce genre de choses. Mais encore une fois, travailler le gainage en lui-même n'est peut-être pas utile. Tu fais un duel un contre un, ben à un moment donné, ils seront dedans. Ou alors tu dis épaule contre épaule, et puis sprint sur 10 mètres, ils prennent la balle, ils doivent faire un contre un. Ce genre de détails, et ils travaillent du gainage quand même. Donc c'est très très important, mais est-ce que c'est utile de prendre 10 minutes sur sa séance pour faire du gainage? Je pense pas. Après, encore une fois, plus on monte dans le niveau, plus il faut être précis sur certaines choses. Voilà. Mais en formation, rapide. C'est de la faute de Cristiano. Qui s'est mis l'abdo. 10 000 euros. Ça, c'est complètement faux. Pas l'argent, ça. 10 000 abdos par jour. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Pas le temps. C'est ça. C'est complètement faux. Sur 3 000, déjà 10 000. Un bidet, il en fait quelques-uns. C'est ça. Juste, alors, parce que voilà, la préparation physique, c'est un domaine où
C'est marrant parce qu'on s'improvise même des fois en préparateur physique. Et c'est là que je me suis demandé, c'est pas limite mieux d'avoir un préparateur physique attitré. On a vu des choses incroyables qui s'est passé sur des terrains, des décès, des arrêts cardiaques, etc. Et c'est pour ça que moi, c'est important. Et c'est bien que tu en parles dans ton livre, parce que comme ça, on apprend des choses et ça nous prend, on prend conscience de, bah, de choses qu'on ne connaissait pas, tu vois. C'est ça. Mais j'aimerais que tu expliques à ceux qui nous regardent la différence entre le travail physique dissocié, associé et intégré. Parce qu'il y a vraiment une erreur sur le associé et intégré, souvent, en plus. Oui, d'accord. Le dissocié, bah, c'est sans ballon. C'est ce qu'on a donné l'exemple, c'est courir d'un plot à l'autre, tout simplement. L'associé, c'est qu'on met un ballon, mais qu'on sort un peu de la sphère match, comme ça a été dit juste avant. C'est que bah, s'il court 10 mètres d'un plot à l'autre, même s'il a un ballon, bah, il courra toujours 10 mètres d'un plot à l'autre. On ne fait pas ça en match. L'intégré, par contre, c'est là où on rentre dans une situation de match et où, via un certain temps d'effort, temps repos, certaines distances, tout ça, certaines règles, on peut travailler certaines composantes de la condition physique. D'accord. Voilà, c'est ça la différence. La VMA. La VMA, c'est quoi quelle est son importance de la VMA ? C'est, on va dire, connaître la force d'endurance du joueur, mais encore une fois, en club pro, l'équipe première, pour moi c'est utile, ou peut-être en jeune, juste avant, réserve, tout ça. Mais en club amateur, tu peux faire une VMA le mardi, une VMA le jeudi, et le gars, suivant ce qu'il a bu ou dormi ou mangé la veille, bah, il va tout d'un coup augmenter de dingue alors qu'il n'y a pas eu d'entraînement. Donc, est-ce que ça sert ? Non. Et chez les jeunes, même délire. Comme on a dit, un adolescent va peut-être faire une VMA. Bah, là, il était dans une mauvaise période de la vie parce que ça. Il va faire un mauvais score, et tout d'un coup, fin de saison, il a fait un score de dingue. On va dire, cette méthode d'entraînement est bien. Pourtant, l'autre moitié de l'équipe n'a pas évolué. Ah, bah, mais voilà, pour moi, la VMA, c'est un truc. Soit tu es précis, et tu peux être vraiment précis. Telle date, telle météo, tel régime alimentaire, tel voilà. Et du coup, c'est utile. Soit t'es pas précis, et du coup, c'est qu'à moitié utile. Du coup, est-ce qu'on autant ne pas perdre de temps à le faire et l'intégrer dans des situations de football, quoi. Je fais exprès de poser des questions sur la préparation physique. En plus, c'est ton métier, en plus. Donc, Je suis plus formateur, mais forcément, j'utilise mes connaissances. C'est vrai que, comme je t'ai dit, il y en a beaucoup, on n'en a pas assez de connaissances sur ce domaine-là. J'ai fait un zoom il n'y a pas longtemps avec un éducateur de Lyon. Parce qu'en fait, moi, j'ai un problème, c'est que je n'arrive pas. Comment je peux calculer le nombre de répétitions, le nombre. Alors, parce que dans ma tête, je me disais que c'était en fonction de mon principe de jeu. Oui. Mais comment je peux aussi ça, en fonction de quantifier Là, c'est très, très, très dur, parce qu'en fonction, déjà, d'une personne à l'autre, ça va être différent. Donc, d'un scientifique à l'autre, d'un préparateur physique à l'autre, ils vont dire des choses différentes. Et en fonction du niveau des joueurs et des qualités du terrain, par exemple. Donc, tu peux faire telle distance et telle chose, mais si la balle, elle est une fois sur deux sur le côté, parce que le joueur ne sait pas contrôler une balle ou quoi, parce que le terrain est mauvais, bah, ils ne vont pas s'entraîner. Donc, c'est très très difficile. Ce qu'il faut se mettre en tête, et ça c'était avec une formation de Damien de Senta, donc encore une fois, ce que j'ai mis dans le livre, c'est pas des trucs que j'ai créé moi-même, hein. C'est des trucs que j'ai appris, et j'ai appuyé là-dessus forcément, voilà. Qui disait, par exemple, pour travailler la vitesse, il faut penser à tel critère, pour travailler l'endurance, tel critère, pour travailler force, tel critère, qui est dans le livre. Et là, c'est une idée de ce qu'on peut faire. Mais en soi, si on fait de la possession et qu'on fait des phases de jeu tout le temps, une fois grande, une fois petite, une fois moyenne, une fois autant de joueurs, tout va être travaillé. Donc, est-ce que c'est utile de se dire, oh, je vais faire tel mètre, tel temps? Non, parce que tout est travaillé quand même. D'accord. Et après, il faut gérer, voilà. Mais Donc, pour toi, c'est pas limite très important. Ça, c'est le défaut des. Non, mais c'est pas une critique. Hein. Non, mais. C'est le défaut de la télé, des statistiques. D'accord, ok. Tu veux tout quantifier. Donc tu penses que les statistiques me sont rentrées directement dans la... Non mais oui. Bah, c'est possible. Mais, hein, bien sûr. Mais tu crois que les gamins c'est pareil. À force de leur répéter qu'il faut avoir 100% de passes réussies, il préférera donner un ballon à 2 mètres et il a réussi toutes ses passes. Bah, non, c'est pareil, il ne faut pas toujours tout quantifier. C'est ça, ouais. Non mais c'est vrai, mais c'est une question... Encore une fois, quand t'es pro, entraîneur, équipe pro, ben, vraiment précis tout ça, ouais. Mais dans notre milieu, parce que qu'on touche beaucoup plus de footballeurs amateurs que de footballeurs pro au final. Je ne sais plus qui avait parlé de chiffres entre Yacine et Toto. Je lis beaucoup vos messages sur Facebook et je vous mélange du coup. Mais au final, je crois que c'est même pendant l'interview, il y a peut-être 1 million, je ne sais pas, qui vont passer pro, mais c'est peut-être les 20 millions à côté qu'il faut s'intéresser un minimum. C'est ça. Oui, tu étais intervenu en disant que même dans les 1 million pro, il n'y a pas que des Français parce que vous croyez de la France. Voilà, c'est ça. Donc... oui, effectivement, quand on est pro, il faut être très précis, mais à un moment donné, on n'est pas Guardiola et on n'a pas, on n'a pas De Bruyne devant nous. Après, tu vois, là, on est en train de disséquer vraiment détail la formation du football. Et moi, là, vous m'avez un petit peu perdu. Pourquoi ? Parce que pour moi, le football, ce n'est pas une science, c'est un art. Et je ne veux pas qu'on fasse
justement trop de scientifiques. C'est-à-dire que moi, je veux pas que les éducateurs deviennent des scientifiques du football, mais je préférerais, enfin après c'est une aspiration personnelle, je préférerais qu'ils soient des artisans du football. Ah, ouais. Et un artisan, finalement, il a une façon de travailler où il y a une part de créativité, où on fait appel à quelque chose. Et c'est je dis ça pourquoi ? Parce que la robotisation de la pensée du footballeur, ouais, des réflexes du footballeur, bah, elle vient justement du fait qu'on normalise tout, on intellectualise tout, et à la fin, et bah, voilà, je reçois pied droit, je donne pied gauche, et ainsi de suite. La dernière fois, je posais une question. Et j'ai déjà entendu la réflexion, ouais, fais pas de passe extérieure, c'est pas bon une passe extérieure. Mmh. L'important, c'est quoi ? C'est la surface ça, de contact ou le fait qu'elle arrive ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si t'as 100% de réussite. Préférence motrice, Damien Delcent aussi. Je sais pas, parce que bon, c'est clair, il y a des normes auxquelles il faut répondre. Mais un pianiste, s'il tape n'importe comment et que ça fait du Mozart, ouais, on va pas lui dire, ouais, mais tes doigts, ils doivent être comme ci, comme ça. L'important, c'est le morceau qui va jouer. Si. Enfin, c'est peut-être. Non, mais tu vois, on en avait parlé, mon livre. Ouais, bien sûr. Quand je parle de Berasategui. Ouais, non, mais... Berasategui qui frappait le coup droit à l'envers. Oui, voilà, exactement. Et bah, si tu le mets dans un cursus fédéral, il passe pas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Le mec, il a juste été fini de Roland Garros. Si je propose un attaquant qui met il met 50 buts par saison du pointu. Tu vois, tu vas dire, mais c'est moche qu'il fait. Tu vois, Mario, il a pratiquement gagné une coupe. Ouais, voilà. et c'est toujours ce problème-là. Et voilà, moi, pour revenir vraiment sur ce que je voulais dire, c'est que il faut rentrer dans le détail. Mais en même temps, pas trop dans le détail, parce que finalement on devient vraiment scientifique et c'est là qu'on tombe dans les chiffres, on tombe dans la systématisation. Moi, je pense que c'est plus Guardiola qui nous. Parce non, que Guardiola non, est peut-être non. Qui nous... C'est ce que tu as appris en formation malgré tout. Parce que je vais te dire un truc, pour vite fait aller sur ce que disait Toto, la façon de frapper le ballon. D'accord ? On t'explique quand même qu'il y a une façon de frapper le ballon, le pied d'appui, les épaules et compagnie. Quand Gigneux arrive en France, qui commence à frapper ses coups francs. Moi, je t'annonce que le premier coup franc qu'il fait, oui, tu le mets dans un centre de formation. Le mec, il de dit, Juninho, ouais. Laisse tomber. Ça. Arrête tout. Je vais te montrer comment on frappe un ballon. Tu vois. Et pourtant, le mec, c'est le recordman de coup franc. Direct en France. Donc, le truc, en fait, c'est que toi aussi, tu dois, ce qu'a dit Toto, c'est intéressant, t'adapter. C'est pour ça que moi, tout le temps, je vous parle d'humain et de s'adapter à chaque personne. Parce qu'il y a des joueurs où toi, tu vas te dire... Quand il prend le ballon, t'as l'impression qu'il est en déséquilibre. Il va tomber et t'as envie de lui dire, mais attends. Mais tiens-toi droit, les épaules, machin. Mais en vérité, c'est son déséquilibre qui fait la différence. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est une question de sensation. Comment il trouve sa façon de passer. C'est là, il en parle très bien sur lui. Il parle des préférences motrices. Donc, tu peux nous expliquer. Oui, c'est ça. Ouais, encore une fois, préférences motrices, voilà, j'ai mis ce que je connaissais. J'en connais un peu plus du livre, mais je ne suis pas expert des préférences motrices. Je préfère préciser. Mais de ce que je sais, oui, effectivement, chacun est individuel. Chacun a ses préférences. Donc, préférences motrices et mentales. Et on en parlait avec les discussions d'avant-match. Il y en a, ils préfèrent venir s'amuser. Il y en a, ils veulent gagner, tout simplement. Et donc, il faut arriver à avoir un discours et accepter les gens. Et l'exemple le plus concret, c'est lève ta tête. Y a des joueurs qui voient, en regardant la balle, qui voient le jeu. Et il y a des joueurs qui, en regardant le jeu, ils voient la balle. Mais si tu demandes à un joueur qui, en voyant le jeu, il voit la balle, de regarder la balle, mais il ne verra pas le jeu. Et l'inverse, tu demandes à un joueur de lever la tête, qui ne voit plus la balle, mais il verra le jeu, mais il ne saura rien faire. Et effectivement, le problème, c'est qu'un joueur, un jour, est venu, a réussi ses trois dribbles et à être meilleur buteur de l'année. Donc on a dit, c'est comme ça qu'il faut jouer, qu'on veut du coup former tous les joueurs comme ça, et tous les joueurs qui ne sont pas comme ça, c'est ciao, alors que pourtant, ils auraient pu être... Voilà. Si on avait dit à Messi, arrête de dribbler, dès que tu as la balle, tu la donnes, bah, il serait peut-être, ou court sur le terrain, il ne serait peut-être pas le Messi qu'il est, alors que pourtant, il est Messi qu'il est en marchant sur le terrain, parce que c'est sa manière de jouer, et en dribblant. Donc, il faut... Il faut être très individuel dans un sport collectif, dans notre manière, notre approche de la formation, en fait. Ouais. Tu sais, là où tu le verras, c'est par exemple, et je pense que ça t'est arrivé parce que ça arrive à tout le monde, un gamin, il prend le ballon, et en fait, tu vas faire un commentaire et il va réussir sa passe. Ouais. Et là, tu te sens un peu bête. Ouais. Mais moi, c'est sur un autre truc que j'allais te dire. C'est sur le contrôle, moi. Et là, tu te dis, tiens, en fait, stop. Ah, et tu vois la balle. Ouais, c'est vrai, ça m'arrive plein de fois. Bah, parce qu'en fait, toi, t'as une idée de la réussite. Mais c'est ça. Mais c'est pas la sienne. Alors, maintenant que je parle avec vous et que j'ai des gens qui sont. En fait, c'est pour ça qu'il faut toujours laisser les gens aller au bout. Et après, tu dis Ça, mais c'est vrai, c'est ça, c'est exactement. Mais c'est là, parce que préférence motrice, c'est intéressant. Et j'ai un joueur, quand il fait un contrôle, il le fait toujours de l'extérieur du pied, par exemple. Mm-hmm. Tu me dis si ça rentre dedans ou pas. Je te mets le contexte. Ouais, ça rentre dedans, tout à fait dedans. Et il le fait de l'extérieur. Sauf que moi, et je lui explique que pour moi, sur cette phase-là, je pense qu'il faut que tu utilises l'intérieur. Deux choses, pourquoi ? Parce que déjà, alors, ça ne va pas plaire Yacine, mais la première chose,
c'est que déjà, s'il veut être vu, c'est un bon joueur, c'est un très bon joueur. Oui. Je sais que s'il veut être vu, malheureusement, je sais que ils vont le juger sur ça. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir avoir la position du corps, utiliser le bon pied sur le pour partir à droite, par exemple, s'il veut à droite, pied droit, machin. Oui. Bref, c'est position du corps. Et je lui fais comprendre que, en dehors de ça, que si tu le fais de cette façon-là, tu vas gagner des secondes et même des centièmes, parce que et tu mets plus de sécurité quand il fait son contrôle extérieur. Et bah, il est moins sécurité, des fois il part à 4 mètres. Sorti deux mots sur trois que je déteste. Ah ouais? Sécurité. 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 Sécurité, ouais. Mais sécurité pour toi. Non, il y a plus de sécurité. Non, sécurité pour toi. Voilà, ouais. Si lui, il s'est positionné son corps, ça se trouve, lui, il est plus en sécurité que s'il prend le ballon à l'intérieur. Il ressent comme ça. Déjà. Et, la deuxième, et l'autre, être vu. Mais demande-lui de faire le contrôle de l'intérieur, ça se trouve, plus personne ne va jamais le voir. Mais est-ce que tu ne trouves pas qu'il gagnerait, sur certains contrôles, il gagnerait peut-être plus? Parce que c'est, c'est une sorte d'individualité sur un collectif. Non, je te redonne un exemple. Fabrice Santoro, il frappait tout à deux mains. Tu lui dis demain, frappe ton coup droit à une main. Mais Fabrice Santoro, il est peut-être en dehors des 200. Ok, voilà. Non, je vois. Ouais. Tu peux le conseiller, ils doivent s'entraîner aux deux. Il doit aussi savoir faire. Mais attention, parce que je vais plus loin dans ma réflexion. Je dis, moi, je. Alors. Ça aurait été bien, mais j'ai le chrono par exemple. Je fais le chrono, je fais le cheminement avec la passe que je voudrais lui imposer indirectement et en le laissant libre. Bah, tu regardes qu'il met plus de temps. Parce que le temps déjà qu'il oriente son corps, il est là, extérieur, après il retouche une fois le ballon, il va la donner. Par contre, s'il aurait orienté son corps directement, plus de temps, intérieur, machin, en une seconde, il aurait tout fait. Et en fait, c'est pour ça que je me dis. Tu quantifies trop, toi. Là, je quantifie trop. Non, je te jure, c'est vrai. Ok, d'accord. Ouais, mais c'est. Non, mais c'est ça, je te le dis. Moi, c'est mon avis. Parce que pour moi, tu gagnes quand même une seconde et demie. C'est pas moi, je cherche le déséquilibre. Non, bon, c'est énorme. C'est énorme à l'entraînement, ouais. Ouais, à l'entraînement. Mais je laisse libre, je critique pas à chaque fois. À l'entraînement. Ouais. Là, d'accord. Mais comment ça Il n'y a pas d'adversaire, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de. Ouais. Ça se trouve, en match, tu lui dis, fais ton contrôle intérieur, c'est lui qui perd une seconde et demie. Parce que sa position. Oui, voilà, parce que le jeu n'impose pas dans la circonstance qu'il est d'accord. Tu peux pas imposer comme ça. Non mais je vois, mais c'était quelque chose que voilà peut-être alors que donc tu me conseillerais quoi, donc faut que je le laisse. Lui laisser naturel, lui apprendre les deux, mais lui laisser naturel. D'accord. Donc on parlait du, je parlais de la nutrition. Qu'est-ce que tu peux expliquer aux jeunes qui nous regardent pourquoi une bonne nutrition est-elle si importante? Parce que la bonne nutrition amènera des meilleures performances, une meilleure concentration, une meilleure tout en fait, et donc autant bien manger. Après, il ne faut pas un régime précis à la seconde. Ouais, voilà, on est tous sportifs, mais il ne faut pas un régime. Pas, attends, qu'est-ce que ça signifie là? J'ai du regard. Oui. Voilà, il ne faut pas se mettre une pression. Non, mais c'est hyper important de leur expliquer que c'est. Mais ils ne doivent pas manger 10 paquets de chips par jour et leurs frites. Enfin, voilà. Le but, c'est. Pas te mettre une pression dingue, mais respecter un minimum de choses quand même. Voilà, c'est ça. Je vois ce que tu veux dire. Et préciser, se renseigner sur des pros dont leur métier c'est nutritionniste et diététicien. Pas se renseigner. Donc toi, tu conseilles les jeunes juste. Mais s'ils veulent vraiment. Oui, mais c'est pas nécessaire encore une fois, mais pas se renseigner. Oui, toi, t'as lié un magazine sur. People Nutrition, il faut manger comme ça, voilà. Manger de la salade, c'est diète, mais pour un genre de foot, faut. Mais voilà, les pros diront mieux que moi, voilà, j'ai des notions sans être. Voilà, il me reste deux questions. On a 5 minutes et après, on va rester encore 2 heures. Non, puis il nous vient de loin quand même. Il a un train à prendre. C'est ça. Je vais rentrer. Il a un jet. Il va t'emmener. Il y a un nouveau concept qui est arrivé récemment en 2020 en Belgique, c'est que il y a les U6. Qui joue à 3, c'est ça? U6 2 contre 2, U7 3 contre 3. Et est-ce que c'est bénéfique ou pas? Parce que nous, on l'a pas en Russie. Ouais, c'est un truc. D'ailleurs, la Belgique a gagné un prix, je sais plus le nom du prix, tout ça, mais à une convention européenne à Suisse, la Belgique a gagné un prix pour cette innovation, donc le prix d'innovation. Et c'est un truc qui a eu du mal, et d'ailleurs, c'est toujours du mal à rentrer, mais pour moi, c'est génial. Donc le principe, je sais pas si vous connaissez, ou j'ai voilà. Le principe, c'est le 2 contre 2, en fait, on arrive, je suis Paris FC. Contre Lyon, on invente. On mélange les deux équipes. C'est les vareuses jaunes contre les non-vareuses. Et après, il y a des règles, départ de jeu. Donc, c'est pour former des 2 contre 2. Si la balle sort, il y a un coach qui lance une balle magique, qui envoie la balle. En fait, il y a toujours une balle en mouvement. Il n'y a plus la notion « je joue avec mon équipe contre une autre équipe ». Et il n'y a pas la notion « je suis tel poste ». Et en plus du jeu, il y a à côté, donc en plus du 2 contre 2, il y a à côté des jeux associé au football, meilleur football. Genre, je sais pas, il faut toucher le plus de qui en faisant des passes. Voilà. Ou le jeu du. Il y en a un au milieu qui doit aller toucher les autres qui ont une balle au pied. Voilà. Et en fait, c'est le festifoot, ça s'appelle. Ça enlève la notion de match. Ils arrivent et ils font un festifoot. Ils sont pas avec telle équipe, ils jouent pas tel poste. Ils ont pas gagné, ils ont pas perdu. Parce qu'on compte pas les scores. Donc on sait pas. Ils ont pas mis autant de goals, on sait pas. Et donc ça fonctionne bien. Et donc c'est le 2 contre 2 en U6. Et on passe au 3 contre 3 en U7. Où là, il y en a un qui fait le gardien.
mais que ça tourne à chaque fois, hein. Chacun ça tourne, et toujours le même principe de la balle toujours en mouvement et tout, et ça a été très mal apprécié par certains, parce que c'était en mode mon fils c'est un attaquant, pourquoi est-ce qu'il va se retrouver voilà, en U7, hein. Et ça a été dit, mais au final c'est génial, les enfants s'amusent, ils arrivent déjà, ils sont pas gagnés, donc c'est un bon concept, on va dire, c'est bien de la base, oui oui voilà, après on adhère pas, mais ils arrivent, il y a pas de club, donc t'as gagné, t'as perdu, on s'en fout, il y a pas le meilleur buteur de l'équipe, tu me conseilles en France, alors franchement ouais c'est bien plus précisé, parce que niveau précision technique et mise en place c'est pas comme ça en émission pour s'expliquer, mais je le conseille, ouais c'est franchement top, et ça ressemble, il y a d'autres pays, l'Angleterre commence à le faire et d'autres pays qui faisaient aussi des trucs un peu semblables, je pense à l'Espagne je crois. Mais là, spécifique, ça fonctionne énormément. On va essayer de le reprendre. Pour finir, t'as cité quand même Yacine et Farid. Donc, tu nous as oubliés, mais oui. Ça arrivera dans ton top. J'ai découvert plus récemment. Tu les as mis à l'honneur. Donc, pourquoi tu les as mis? Moi, je comprends pas du tout. Pourquoi je les ai mis à l'honneur? Parce qu'ils sont là, je suis obligé. Non, mais parce que, comme j'ai dit, je les connaissais pas et j'ai appris plein de choses via leurs textes. Je les vois tous les jours. Je vois aussi les gens qui sont contre eux. Et ça me fait rire des fois parce que, enfin, voilà, soit. Des gens mettent vite n'importe quoi et ça me fait rire de lire les rageux, je vais dire ça comme ça, mais voilà, chacun a le droit de donner son opinion. Ouais, voilà, les haters. Mais ça fait partie des gens qui me font apprendre tous les jours. Et comme on a dit, le but c'est ça, c'est d'ajouter des gens. Même des fois, j'ajoute des personnes ou des pages qui sont contre mes visions des choses, mais du coup, je vois ce qu'ils font et je me dis, bon, ouais, je suis toujours pas d'accord avec ça. Et peut-être qu'un jour, je me dis, ah ben tiens, ça c'est pas mal, en fait, je suis d'accord maintenant. Et c'est le but, c'est s'ouvrir, découvrir plein de choses, faire des formations un peu partout, voir toutes les visions d'un peu tous les pays et d'essayer de former sa propre vision de formateur. Ok. On finit. Chacun dit un petit mot pour Adriano. Qu'est-ce qu'il a pensé? Est-ce que tu as été fier qu'il t'a cité comme dans son livre? Non. Non. Bien sûr que oui. Mais non, mais en fait, il y a pas de surprise parce qu'on a déjà échangé. Voilà. Donc. Mais il voulait vraiment te voir en plus. Hein, quand je l'ai eu. Ah, j'étais content. Il était vraiment content. Il voulait aussi partager. Ouais. Non, mais voilà, il y a pas de surprise. Après, le truc, c'est que c'est un peu dommage dans le sens où on a beaucoup de similitudes dans notre réflexion. Ah oui, c'est ça, ouais. Voilà, il y a moins de débats. Après, après tu te dis aussi que finalement, on n'est pas. Enfin, il y a du monde qui va dans ce sens-là et qu'on va peut-être avancer. C'est vrai. Mais après, c'est souvent un point que j'ai avec toi, Toto, c'est que je cherche pas non plus toujours à faire des contradictions. Parce que, comme j'ai dit, là on est d'accord, mais quand on voit ce qui est, c'est la réalité du foot, et la plupart ils disent oui quand ils vont regarder machin, mais ils font rien. L'objectif c'est quand même d'expliquer, de sensibiliser. Il y a des jeunes qui sont des futurs éducateurs qui ont 18 ans. J'ai des petits qui sont avec moi à une école de foot, ils sont 16 ans, 17 ans. C'est eux maintenant que moi je compte plus sur eux et je veux qu'ils écoutent quand même. Même limite, je préfère qu'ils entendent trois fois la même personne que des mecs qui s'engueulent parce que. Pas s'engueulent, mais. Comme on disait tout à l'heure, voilà. En fait, c'est qu'il faut prendre tous ces ouvrages, que ce soit le mien, celui d'Adriano, comme des choses qui vont faire évoluer ta réflexion. Pas de certitude, c'est-à-dire que c'est son avis à lui, c'est malgré tout, c'est aussi parce qu'il s'est construit comme ça, qu'il en est là aujourd'hui. Et il y a d'autres personnes qui n'ont pas la même construction, donc ils ne vont pas forcément être d'accord. L'idée, c'est toujours te dire qu'est-ce que ça peut t'apporter et où est-ce que ça nourrit ta réflexion. C'est ça. Bilal, dernier. Ravi de te connaître. Plaisir aussi. Voilà, tu m'as appris des trucs. C'est bien. Tant mieux. Merci beaucoup. Farid. Bah écoute, voilà, encore un livre qui va étoffer un peu plus la bibliothèque dont les footballeurs, enfin les techniciens du foot ont à leur disposition. S'ils veulent faire évoluer leur mentalité, leur façon de voir les choses. Moi, je suis content parce que tu viens de Belgique et moi, c'est un pays que j'aime beaucoup en termes d'idées de formation. Oui. Tu vois, moi, je sais que chez vous, DU6, vous travaillez beaucoup sur l'éveil, l'intelligence corporelle. Et ça, j'aime beaucoup. Et ça va peut-être élargir notre vision des choses et toujours dans l'état d'esprit des Yacine qui militent pour une certaine façon d'appréhender le football et de l'apporter à nos jeunes. C'est sûr. Je peux dire un truc sur le football belge vite fait. C'était un très grand football dans les années 80 parce que les jeunes nés en 2000, ils peuvent oublier parce que genre, c'est vrai que les clubs belges souffrent un peu plus parce que les financiers, mais dans les années 80 et 70, etc. Et la deuxième chose, c'est que les clubs belges forment très bien, beaucoup, mais ils sont pillés très jeunes. Oui, c'est vrai. D'accord, c'est vrai. Non, mais voilà, parce que nous, on a aussi la tendance de dire alors ils sont où les footballeurs, footballeurs belges jeunes? En fait, ils sont très vite partis, Pays-Bas, Angleterre, donc il y a ça aussi.
Mais chez les jeunes, Anderlecht et tout, t'as des très très bons joueurs à Bruges, à, voilà, à la Gantoise. Voilà. Après, ils sont pas champions du monde. Ouais, c'est ça. pour finir, moi, je te remercie déjà d'être venu. Ah, je suis hyper content que tu aies sorti ce type d'ouvrage. Quand j'en discutais avec Toto, c'est Toto je te connaissais pas au début. Et je suis hyper content parce qu'en fait, tu vas faire partie des personnes qui me font évoluer, déjà d'une. Ah, c'est la première chose. Et c'est pour ça que j'incite tout le monde à le lire parce qu'on apprend plein de trucs, on apprend plein de choses. Et puis, c'est bien parce qu'en fait, t'es dans le vrai, t'es dans l'échange. Et malheureusement, c'est ce que je n'arrive pas à trouver dans mon entourage généralement, sauf pas ceux qui, pour ça qu'ils sont là. Hein, et c'est top. Donc je pense que je vais t'embêter souvent. Je sais pas, on va aller le voir. En tout cas, voilà, merci d'être venu. J'espère que tu étais content. Je remercie tout le monde de nous avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, de s'abonner sur notre chaîne Unifoot TV. Vous pouvez vous abonner aussi sur la chaîne de notre ami Toto Bellozzo, COP. Ah oui, bien sûr. Tes réseaux sociaux aussi, on va les mettre de toute façon, on les mettra Pensez Football. Ouais. Yacine qui est sur aussi le Club des 5, partout. Ouais, il fait tellement de choses. Je vois. Et Bilal qui est. Bilal est dans notre pays, il est en Tunisie. Donc, mais voilà, je mettrai tous les réseaux. Merci beaucoup et puis merci, bonne soirée, au revoir. Ciao.